Et bonjour à toutes et tous, nous voilà de retour sur Hogwarts Legacy. Aujourd'hui, ça va être un contenu très court, car je rencontre un bug. J'ai fait tous les challenges, tous les défis, comme j'avais pu vous le montrer précédemment. Voilà, je suis à 100% partout. J'ai débloqué dans le monde toutes les zones. Voilà. Là, je suis sur Poudlard. Mais si on regarde en zoomant toutes les zones du monde, j'ai rempli tout comme il faut, partout. J'ai plus un coffre qui traîne ou les coffres de collection, les épreuves de Merlin, j'ai tout fait. Sauf, bien sûr, il en va de l'exception. Il faut que je zoome. Sauf sur l'enceinte de Poudlard, où il me reste exactement 6 pages du guide du sorcier à faire. Alors le problème que j'ai actuellement, j'ai une quête qui bug. Ça, je m'en suis rendu compte. Et le deuxième souci, donc une quête en moins, donc une page du guide du sorcier en moins. Et le deuxième souci, c'est que apparemment, j'ai vu une personne qui fait des vidéos sur des 100% enfin pour réussir à faire le jeu à 100%, qui a trouvé au même endroit, presque au même endroit, un bug où il manquerait une deuxième page. Donc ce qui veut dire que sur 150 pages, je ne pourrais qu'en avoir 148. Ce qui fait que je ne pourrais jamais arriver au 100% total. Donc là, je suis un petit peu déçu. Autant que j'ai beaucoup aimé Harry Potter. Et donc ce bug, apparemment que j'ai été voir, il y a une solution que je vais essayer de mettre en pratique avec vous, tout simplement. On va voir, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. En tout cas, moi, mon bug, mon souci particulier, c'est ce miroir au papillon, où faut aller chercher un papillon. Et le papillon, là où il est, il n'existe pas. Avant de commencer la vidéo, on va partir, après je vais vous expliquer les deux endroits. Je vais vous mettre le passage. On n'aura pas le son, puisque bon, vis-à-vis des droits d'auteur, je ne peux pas mettre le son de cette personne. C'est une personne que je considère beaucoup. J'adore ce qu'il fait. Il fait des 100% solus vraiment complets. Il explique bien. Voilà. En somme, c'est top ce qu'il propose. Donc on passe sur le PC tout de suite. Et on va regarder donc ce qui se passe. Attention, là, tac. Avermedia HD, tac, il a commuté. Donc là, je suis placé pile poil au bon endroit. Je fais disparaître ma flèche. Je relâche ma lecture. Donc là, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de son. Donc là, il était en train de finir une quête. Il se déplace. Il va descendre des escaliers. Et il va arriver sur ce fameux miroir au papillon. Donc, il y arrive, on a le miroir, on fait Lumos, hop, on l'allume, on voit un sphinx, on voit un pot de fleurs. Et donc, sur le pot de fleurs, normalement, il doit y avoir de coller un papillon. Et ce fameux papillon, eh ben pour moi, il n'y est pas. Il n'y est pas. Regardez bien. Là, hop, il a un papillon de coller. Avec sa baguette, il le ramène, il va aller le coller sur le miroir. Moi, je me suis dit, j'ai peut-être fait la quête, c'est peut-être le truc qui bug. Mais une fois que la quête est terminée, regardez bien ce qui se passe. Il prend la page de guide et le miroir disparaît, total. Donc, moi, si je l'avais déjà faite, le miroir aurait disparu. Voilà pour ce qui est de la partie explication. Pour ce qu'il en est du bug recensé aussi, toujours par cette même personne, là on retourne sur le jeu. Je me suis mis à la sortie de Poudlard parce que ça se passe exactement dans Poudlard à l'aile du clocher. Bon, on va y aller en balai volant, hein, voilà, histoire de profiter des décors. Le magnifique château de Poudlard.
Ouais, ça m'embêterait bien de ne pas pouvoir réussir à faire le jeu à 100%. Là, vous voyez, je vole tout doucement pour profiter et de la musique et du soleil à travers les nuages. Je suis bien content d'avoir fini le total des quêtes et d'être revenu dans une saison correcte parce que l'hiver, ça a commencé à me gaver sec. Ouais, on va accélérer un petit peu. Donc, là, pour trouver, localiser l'endroit, normalement, j'apparais ici. Hop, 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 hop. On calme sa joie. Hop, je me pose ici. Normalement, on apparaît. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça, le... Il faudrait qu'il fasse... Ouais. Et ben voilà, je me retrouve bloqué dans des arbres. Il y a des bugs de collision, c'est pénible. Voilà. Voilà, je voulais descendre. Donc voilà, là je suis à côté de l'aile du clocher. Pour y arriver, oui, c'est sur la quête qu'il faut. Sur le truc. Je suis fatigué moi aujourd'hui, c'est pas possible. Donc, on va sur l'aile du clocher. Et on se rend sur la pelouse du cours de vol. Donc c'est là où j'étais. Je vous montre donc pour que vous puissiez localiser facilement la chose. Donc voilà, je réapparais exactement au même endroit, hein, à côté du truc. Donc on avance par là, le long, et on va avoir une entrée. Donc ça, c'est cette entrée-là qui nous concerne. Tiens, si ce n'est pas la Mais championne avant du tout, plateau je vais vous d'attraction. montrer l'endroit où il y a le bug. Mais moi, cette page, je l'ai déjà prise. Alors, c'est une page qui est en train de voler quand on fait des Réveillon. révélios et qu'on s'approche. Il y a une petite serre. On passe le petit dragon en herbe. On se rapproche de la serre et là, on fait un révélio. Et là, normalement, dans le ciel, on a une page. Moi, j'y suis passé. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris la page. Le souci, c'est que la page, on l'a prise, ok, mais elle n'est pas comptabilisée. Voilà. Donc, ici, à cet endroit, à côté de la serre, on fait un révélio. On a une page. On la prend, on la capture avec, avec le truc, bien sûr, avec Axio. Hein, voilà. Voilà. On la récupère. Et si vous la prenez, eh ben, elle n'est pas comptabilisée. Je ne sais pas si à cette heure, il y a eu un patch, une correction sur le bug de cette quête. En tout cas, ici, vers la petite fontaine et vers la serre, il y a un bug. Donc, retournons voir nos moutons. Enfin, voir notre papillon. C'est le cas de le dire, c'est pas nos moutons. Ce fameux papillon qui n'y est pas. Donc voilà, je suis arriver par là-bas et on va rentrer ici par cette porte, la porte de l'aile du clocher. Magnifique clocher d'ailleurs, enfin un clocher, le tour. Donc je profite, voilà, de l'autre y rentre. Donc là on se rend sur la droite. Là je fais un petit révélio. On va avoir apparaître ce miroir. Pour aller vers le miroir, il faut passer bien sûr de l'autre côté. Ici, et on a ce miroir. Il est tout noir. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a ce type Tu penses de que les quête? enfants de Black sont aussi On fait complexes? un lumos. De son travail, le Voilà. professeur Weasley doit aussi On faire ce qu'il dit, regarde ce directeur. qu'il y a dans le cadre du miroir. On a de Là, la on chance de voit voir. un sphinx. Le directeur On de l'école voit de un magie immense s'est pot de emparé de fleurs son sur la tableau. droite. Et J'ai croisé normalement, le regard du sur ce pot de professeur Black fleurs, la dernière on fois dans a la un grande salle. papillon. J'ai recraché tout mon Le PV. souci que je rencontre, Je ne suis c'est pas sûr que de je l'avoir n'ai pas envoyé. de papillon. Donc je reste avec mon Lumos. Je me suis dit, au cas où il soit sur le trajet et tout, j'ai cherché partout dans toutes les pièces. Et regardez, comme on avait vu sur la photo, lui avait un papillon. Moi, je n'ai pas de papillon. Quand je fais... Réveillon. J'entends un gling.
Est-ce que ça serait une page que j'aurais oubliée à côté? Normalement, il y en a une là, mais je crois que je l'ai prise. Je l'ai prise. Ouais, il y a un jgling qui se fait. Comme s'il y avait... Il se fait. Ouais, il y a un jgling qui se fait. Ouais, je l'entends légèrement. Ça. Sur la gauche. Lumos. Sur pas de papillon. Là, normalement, Révelio. Au sphinx, il y a un... Là, j'entends un jgling. Il va disparaître si je m'approche trop de là-bas. Voilà, maintenant, il n'y est plus. Et si je me retourne dans l'autre sens, il n'y a pas de jgling. On n'entend plus la sonnette. Je me remets dans le sens où j'étais. Voilà. Parce que normalement, ça signale qu'il y a quelque chose. Révelio. Alors, j'ai pas de papillon, comme vous avez pu le constater. Parce que normalement, il apparaît en bleu quand je fais un Révelio. Quand je Lumos. Fais un Lumos, il est normalement collé. Et il doit me suivre jusqu'à là-bas. On retourne là-bas. Je vous montre pour vérifier. Hein. Allez bien, je suis pas fou. Il y a un sphinx, il y a un pot. Et donc, d'après la solution du gars qui propose le 100% Solus, eh ben, il y a un petit papillon, qui est un petit papillon, il est quand même assez gros, qui est collé sur le pot. Et là, comme on peut le constater, il n'y a pas de papillon. Alors, maintenant, vis-à-vis de ça, bon, déjà pour la page qui est dans le jardin, là, vers la fontaine, je sais pas comment je vais faire s'il ne corrige pas le mettre pas un patch. Pour corriger ce problème, donc là je pourrais jamais avoir le 100%. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de papillon. Alors des gens ont donné la solution de rentrer et de sortir, ou de rentrer et de ressortir plusieurs fois de la salle Repulso que j'ai exécuté. Je l'ai fait, le Repulso. Et ben on va le faire, hein. Je vais rentrer et je vais sortir. Et on va voir si des fois le papillon réapparaissait. Apparemment, il y a au moins deux personnes qui témoignaient dans le commentaire. Comme quoi... J'ai pas regardé l'or. Parce que si ça marche pas cette connerie, que je puisse au moins en ressortir. Ah mais... Ah non mais non, mais non, mais non. Mais non, je vais pas me taper Repulso. Bah. Mais je l'ai fait. C'est quoi ce délire? Il est pas réinitialisé lui. Ben non, je pense pas. Et parce que normalement le mur il s'ouvre. Hein. Déjà il y a un bug. Il y a un putain de bug. Mais là leur astuce, elle est pas bonne. Rentrer et sortir de la truc. Ça. Ah mais si. Ah si. Faut s'avancer parce que là il me dit que voilà j'ai fait l'énigme. Vite je passe Lumos. Le truc au cas où il y soit. Il est là, ça marche du premier coup. Oh le miracle. Oh, la solution, vous voyez hein, ça ne fonctionnait pas, j'avais pas mon papillon. Bon et ben voilà, c'est super. Merci les gars qui ont partagé cette solution qui fonctionne très bien. Je vais préciser que c'est sur PlayStation 5 que je joue. Et enfin, je vais pouvoir aller coller mon papillon. Je parie que sa boutique de potions oh, c'est est cool. Bien. Voilà. La page du guide. Et normalement, voilà, le miroir disparaît. Accueilli toi-même.
J'en cherche. Donc, ce qui fait que... ouais, ça me donne 145 sur 150, donc il m'en resterait 5. Moi, c'était dans l'aile du clocher où il m'en restait 4 tout à l'heure. Là, il m'en reste 3. Donc, il faudrait que j'en trouve 3. Alors, si dans l'aile du clocher, il y a la page manquante, donc ça ferait 32, il m'en resterait que 2 à trouver. Mais bon, il m'en reste 5 quand même au total. Il m'en reste quand même 5 au total. Et quand on, ouais, quand on ressort, ouais, 145 sur 150. Voilà, voilà. Enfin, une petite compensation, j'ai trouvé mon papillon. On l'a fait ensemble. Je savais pas si ça allait marcher. Je m'étais retrouvé dans la salle Repulso, alors que ouais, il y a deux pièces à passer avec des énigmes. J'ai passé un sacré moment parce que je suis pas un doué du Repulso, hein. Enfin du Repulso, des énigmes comme ça avec des trucs à déplacer. Voilà, donc et ben, le miroir a totalement disparu. Ouais, la première des choses, c'est que je vais sauvegarder parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une galère. Enfin, voilà, c'est fait. Alors, oui, j'ai fini hier à minuit 17, je crois. On est le combien? On est le 5. Oui, minuit 17 était là. On est le 5 et il est 20h12. Ah bon. Voilà, donc ce sera une courte vidéo. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la convertir, ma foi, et la diffuser. Solution efficace, comme quoi, je vais dire. Ouais, ça va être le titre de ma vidéo. Solution pour le bug du miroir au papillon, aile du clocher. Aile du clocher, bug miroir au papillon, solution. Voilà, voilà. En espérant que ça vous ait plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.